Merci Marcus pour le privilège d'abord de prendre la parole en premier. J'étais censé être le dernier intervenant, si on s'en tient à l'ordre alphabétique, mais c'est toujours très agréable de visiter Marrakech. Mais je pense qu'il est dommage. Et c'est je regrette en fait de devoir parler en fait d'un problème sérieux et très grave qui affecte le monde aujourd'hui. Donc, cette question n'est pas une nouvelle question, comme vous le savez tous. C'est une question qui est en suspens depuis 25 ans et toutes les agences sécuritaires en fait, se concentrent sur ce problème. Donc, j'ai participé activement lorsque cette question a surgi au début des années 90. Et je vois certains participants avec lesquels j'ai travaillé pour essayer de résoudre cette question. De nos jours, la tension augmente fortement, notamment dans mon pays, non pas parce que nous nous attendons à une provocation de la part de la Corée du Nord, encore une fois, mais c'est dû à l'arrivée, bien sûr, au pouvoir du président Trump. Le gouvernement de la Corée, donc, a redoublé sa vigilance sécuritaire pour assurer la protection du président des États-Unis. Donc, cette question de programme nucléaire de la Corée du Nord existe depuis 20 ans. Donc, si j'essaye de parcourir toutes les différentes phases de cette question, je suis sûr que cela prendrait des heures. Donc, je vais m'en tenir au point essentiel et je commencerai à parler seulement des nouveaux développements donc de ce cauchemar qu'est la Corée du Nord. Le programme nucléaire a augmenté depuis septembre de cette année lorsque Pyongyang a dit qu'il avait lancé avec réussite une bombe à hydrogène et il a menacé de faire détonner une autre bombe d'hydrogène dans le Pacifique, dans l'océan Pacifique. Sur la base des attaques personnelles donc entre le président des États-Unis et le leader de la Corée du Nord, ces conversations n'ont fait qu'augmenter la tension. Il a appelé, comme vous le savez, et il a dit qu'il les détruirait s'il y avait une menace de la part du Nord. Well, I had to find the word daughter in the dictionary. I didn't know. Donc il y a un mot qui a été utilisé que j'ai dû voir dans le dictionnaire. I think that we now have to squarely ask the question. Et donc il faut se poser la question de savoir pourquoi les efforts internationaux ont échoué de prévenir et n'ont pas réussi à prévenir la Corée du Nord de développer son programme nucléaire et son programme de développement d'armes de destruction massive. Eh bien, tout d'abord, la Corée du Nord a triché par rapport à l'accord qu'il a signé, accord stipulant qu'il allait geler et arrêter son programme nucléaire en retour d'une garantie sécuritaire et d'avantages économiques. Donc la Corée du Nord devrait être tenue, bien sûr, responsable. La Corée du Nord fait face à une dévastation de son pays, a fait face à une dévastation de son pays durant la première, durant la guerre. Et étant isolée après la guerre froide, la Corée du Nord s'est confiée à un objectif de développer un programme nucléaire pour garantir la survie de son régime sous toutes circonstances. C'était également l'ordre suprême du fondateur de la Corée du Nord. Et par la suite, cet ordre a été inscrit dans leur constitution. Donc pourquoi est-ce que la Corée du Nord est venue à la table de négociation et
n'a pas respecté ses engagements. Eh bien, la Corée du Nord a conclu trois accords. Cependant, ces trois accords n'ont jamais été mis en œuvre. La réponse est très simple, c'est que la Corée du Nord avait besoin donc de développer sa capacité nucléaire et voulait également profiter de certains avantages de l'extérieur, à savoir la garantie sécuritaire, l'assistance économique et la normalisation diplomatique avec les pays occidentaux. La Corée du Nord pensait qu'elle pouvait réaliser tous ses objectifs en même temps, tout en continuant son programme de développement d'armes de destruction massive, tout en tirant les avantages de la sécurité et économique. Donc, la Corée du Nord veut poursuivre son développement économique et ils l'ont déclaré la politique à deux voies. Ensuite, donc, les États-Unis et la Corée du Sud, y compris moi, ont été déçus par la Corée du Nord. Ensuite, des représentants de Clinton ont dit que l'on savait que la Corée du Nord trichait par rapport à son programme et veut utiliser ses renseignements pour garder ses réserves de plutonium. Donc, tricher, c'est mauvais. Mais lorsque ce sont nous qui sommes affectés, c'est encore pire. Donc, ayant tiré des enseignements de l'histoire, l'administration d'Obama ne s'est pas préoccupée par rapport à la reprise du désarmement. Au contraire, ils ont développé une stratégie qui s'appelle la patience stratégique. Mais ils ont perdu du temps et ils ont permis donc à la Corée du Nord de continuer à développer sa technologie nucléaire. Pendant la campagne présidentielle, Trump a dit qu'il était engagé à résoudre la question du nucléaire en Corée du Nord. Maintenant, il va arriver à Séoul, je crois, la matinée du mardi. Et bien sûr que les choix de Trump ne peuvent pas être mis en œuvre à cause de certaines restrictions. Je voudrais discuter maintenant certaines des options qui ont été soulevées et par rapport à l'objectif, la possibilité que la... Alors, tout d'abord, il y a l'option militaire. Donald Trump a dit que toute action militaire serait dévastatrice pour la Corée du Nord. Mais l'action militaire est en fait l'action préférée pour traiter du programme de développement nucléaire de la Corée du Nord. Mais si la Corée du Nord lançait un missile ciblant un territoire américain, eh bien, les États-Unis procéderaient à une attaque, ce qui mènerait donc la Corée du Nord à attaquer soit la Corée du Nord, et même peut-être le Japon. Avec ce scénario, eh bien, cela compromettrait la vie de millions de personnes dans la région. Malgré tout ce qui a été dit par rapport à des actions militaires possibles, eh bien, ce scénario de guerre est vraiment le dernier scénario à entreprendre. Le président de mon pays et la Chine se sont opposés à tout scénario de guerre dans la péninsule coréenne. L'option nucléaire de la Corée du Sud, eh bien, étant donné que la Corée du Nord est proche d'une pleine capacité nucléaire, l'opinion publique en Corée du Sud récemment est en faveur d'un scénario dans lequel la Corée du Sud devrait également développer le nucléaire.
Mais la Corée insiste sur le fait que la meilleure façon de traiter de la provocation et des menaces de la Corée du Nord, c'est d'armer la Corée du Nord avec ses propres armes nucléaires ou alors de déployer des armes tactiques nucléaires qui ont été retirées au début de la Corée du Sud, au début des années 90. Si la Corée du Sud prend cette option, elle fera face à énormément de difficultés de la part de la communauté internationale, y compris le Japon, la Chine et autres. L'option de la démonstration de force de la part des États-Unis est la deuxième option. Et depuis que la Corée du Sud a fait son premier test en 2006, depuis la Corée du Nord on a imposé à la Corée du Nord des sanctions. L'administration Trump a adopté récemment un acte pour interdire l'accès à la Corée du Nord au système bancaire international. Donc ces sanctions devraient être efficaces, et car elles sont différentes de celles d'antan qui n'ont pas affecté la Corée du Nord. Pour mettre fin à la provocation continue de la Corée du Nord, nous avons augmenté donc le niveau de vigilance, et nous avons même mené des essais militaires conjointement avec les États-Unis autour de la péninsule coréenne. Et depuis le dernier test de la bombe à hydrogène, et depuis le lancement d'un missile au mois de septembre, la Corée du Nord maintient le silence. Ma conclusion est que une Corée du Nord ayant des armes nucléaires n'est pas acceptable. Aussi, si les actions militaires ne sont pas des options, les sanctions sévères sur la Corée du Nord, ainsi que des mesures visant à démotiver la Corée du Nord pourraient être la façon qui vont permettre de résoudre cette impasse ou ce bourbier. Donc si la Corée du Nord continue sur cette voie, la communauté internationale doit s'unir pour mettre fin au régime de Kim Jong-un.